Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment se déroule le baptême d'un rosier. Bonjour et bienvenue. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous annoncer que le Château de Canon vient de fêter un événement exceptionnel. Lors de la fête de la rose, le week-end dernier, un nouveau rosier a été baptisé. Il est de toute beauté et il portera le nom de Château de Canon. Si vous avez déjà regardé mes vidéos sur la création d'une nouvelle variété de rosiers, vous vous souvenez certainement à quel point le travail est long et comment chaque rosier sélectionné est méticuleusement choyé et cultivé avant de trouver sa place dans le catalogue. Et Château de Canon a aussi été créé par Jérôme Rateau, que vous connaissez déjà, des rosiers André Ève. Et à chaque nouveau rosier aux caractéristiques bien uniques, il faut trouver un nom qui le distingue. Alors ça peut être par exemple en rapport avec justement ses caractéristiques, comme le rosier Red Parfum, qui est rouge et très parfumé. Ou bien, on a envie de rendre hommage à un personnage, à une ville, une association, etc. Pendant la cérémonie officielle du baptême à Canon, Marguerite de Mézerac a prononcé un discours dans lequel elle a expliqué la longue présence des rosiers dans l'histoire du château de Canon. C'était la fête des bonnes gens, au cours de laquelle on récompensait la vertu. Le bon vieillard était couronné de chêne et de blé, la bonne fille de rose. Et ces roses, elles sont restées depuis puisqu'elles sont gravées sur la façade du château. Ensuite, Pascal Pinel, le directeur des rosiers André Ève, a présenté les différents prix que Château de Canon a déjà gagnés. Il a été primé dans différents concours et le prix le plus récent qu'il ait retenu, qu'il ait reçu après des médailles d'or, d'argent, etc. dans différents pays, il vient d'avoir à Bagatelle le prix du parfum des enfants. Donc quand les enfants reconnaissent quelque chose, c'est bien. Les adultes, c'est bien, mais les enfants aussi. Voilà. Le baptême d'un rosier est un rituel horticole qui marque le début de cette nouvelle variété. C'est un moment convivial pendant lequel le rosier sera officiellement nommé pour la première fois. Parce que jusqu'ici, notre rosier n'était connu que sous son nom variétal, Evuillo. On aurait pu lui donner n'importe quel autre nom d'identification, une suite de lettres, M, I, E, Z, au hasard ou des chiffres. Mais les rosieristes du monde entier se sont mis d'accord sur une appellation commune qui facilite l'identification de rosier, peu importe dans le monde où vous vous trouvez et peu importe le nom que le rosier porte là-bas. Cette appellation commence toujours par trois lettres. Et ces trois lettres sont forcément en rapport avec l'entreprise qui a créé le rosier. Alors, pour Ève, c'est facile, c'est E-V-E. Pour Austin, ce sera A-U-S, pour Cordes, K-O-R, pour Meillan, M-E-I, vous avez compris. Et ensuite, il y a quelques lettres qui sont uniques au créateur et qui ne signifient la plupart du temps uniquement quelque chose pour le créateur du rosier. Mais ce nom variétal est unique et c'est sous ce nom-là que la variété pourra être enregistrée et protégée. Château de Canon, par contre, sera son nom de baptême, son nom de marque. C'est ce nom-là que vous allez trouver dans le catalogue et sur l'étiquette. Et si vous voyez un petit R derrière un nom de rosier, vous savez que ce nom a été déposé comme marque, il est protégé et personne d'autre n'aura le droit d'appeler un autre rosier Château de Canon. Un baptême, ça scelle des liens d'amitié, des liens, une relation qui s'est créée et il y a beaucoup plus de choses autour de cette rose que simplement lui donner un nom. Le baptême d'un rosier est souvent parrainé par une personnalité du monde de l'horticulture. Ici à Canon, il y a une marraine et un parrain. La marraine, c'est Christiane d'Orléans, qui a été l'instigatrice de la fête de la rose. Et le parrain est Daniel Lemonnier, c'est l'auteur d'un très beau livre sur les roses dans nos jardins, dans lequel il retrace l'histoire des rosiers. Et c'est une mine d'informations que je vous recommande très vivement. Et enfin est arrivé le moment tant attendu. Le parrain et la marraine ont dévoilé le nouveau rosier Château de Canon. Alors, c'est parti, voilà. Magnifique, et on va du coup retourner là.
Il a été baptisé au cidre local, bien sûr, et je pense qu'il a bien apprécié. Donc, le rosier ne craint rien. Non, n'ayez pas peur, ça ne... Non. La fête de la rose a continué ensuite tout le week-end sous un soleil radieux. Et quelques visiteurs ont eu la chance de pouvoir repartir avec leur exemplaire de Château de Canon. Les autres, et les demandes ont été nombreuses, doivent patienter jusqu'au mois de novembre quand les livraisons des rosiers à racines nues commenceront. Et si Château de Canon vous intéresse, je vous recommande d'ailleurs de le précommander dès maintenant pour être sûr d'en obtenir. C'est si bon quand je la tiens dans mes bras. De me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Je suis très heureuse d'avoir pu vous montrer ce baptême et ce splendide rosier. Et je prédis à Château de Canon un très bel avenir. C'est si bon. À bientôt. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon.